Bonjour, merci à tous encore, véritablement, pour vos courriers, vos demandes, vos questions. J'ai reçu hier quelques questions sur les dons. Pas les dons de sous-sous, hein. Sur les capacités extrasensorielles. Nous avons tous certaines facultés. Elles sont mises en pratique permanent ou occasionnellement. Il y a des gens qui savent qu'ils ont une faculté. Cette faculté, ils l'utilisent parfois beaucoup plus pour leur famille, leurs amis, et n'en font pas un commerce. Il y a toujours la dualité. Est-ce que si j'en fais un commerce, est-ce que c'est bien d'être payé ou pas? La question est souvent sur la table. Pour ma part, je n'impose jamais de dire aux gens s'ils doivent être payés ou pas. Je demande simplement que ceux qui gèrent leurs facultés dans un objectif d'aider avec cœur et âme, ont aussi bien fois droit à un retour financier. Mais toujours avec le respect. La société fait marcher le monde avec l'argent. Pour l'instant. Les facultés, nous en avons tous, comme je disais. Elles sont à différents niveaux, voire même au moment où il le faut, elles sont présentes. Nous avons tendance parfois à exagérer cette faculté, pour un peu comme, et c'est humain, pour montrer dans la société que nous existons, un peu comme un tag des jeunes qui écrivent sur un mur. Montrer que nous existons, et certains ont trouvé le filon, si je peux dire, en disant j'ai une faculté et je suis le meilleur. Comme vous le savez, je me suis longtemps immergé exprès chez les gens de la voyance et médiumité. C'était un objectif que je m'étais fixé. Vous aurez l'occasion de découvrir le livre Immersion. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Des gens qui avaient le cœur sur la main. Des gens prêts à aider. Des gens fidèles à eux-mêmes, qui ont compris leur capacité et l'importance de l'offrir, de le partager. Ils savent qu'ils ont cette capacité et essayent tant bien que mal de le traduire et de le faire comprendre
telle la voyante avec son support comme le tarot, ou de le décrire avec ses mots, un peu comme Ézéchiel qui décrit avec ses mots à lui et à son époque ce qu'il voit lors d'une rencontre. Là, notre voyant, notre médium, magnétiseur et bien d'autres ont rencontré en eux cette particularité, cette discipline, et sentent qu'ils ont besoin de s'en servir, pas toujours comme une machine, ou se trouver derrière un écran et jouer un peu la poule aux œufs d'or. Non, il reste humain, sensible. Il y en a beaucoup, hein, qui fonctionnent comme ça. D'autres ont besoin de trouver les énergies. Ils recherchent, ils trouvent, et puis ils enseignent, toujours dans le respect. Ils ont en eux une énergie subtile, encore plus forte que l'énergie vitale, l'envie, qui écrase la monotonie qui sont autour de nous. Ils trouvent toujours les mots, les gestes, le chemin exprimé aux autres. Certes, bien sûr, ils reçoivent un dédommagement financier de la valeur de leurs prestations, si je peux dire. Mais ils ont plus, ils ont une sérénité, une joie d'avoir aidé. Ça pourrait être aussi une forme de communauté. On ne les égorgera pas avec le mot secte. Ils en font un métier en gardant toujours le respect et ce qu'ils connaissent vraiment. Pour cela, ils ont véritablement une identité. Une identité de lumière, de spiritualité, une énergie saine. Et je les ai fréquentés, écoutés, observés. Il m'est arrivé de temps en temps aussi, positivement bien sûr, d'un peu les motiver, un peu les provoquer pour qu'ils se découvrent encore et toujours utiles dans la société. Il y a d'autres aussi qui ont une faculté, mais cette faculté, c'est d'étudier, de disséquer, de modifier et de vous imposer leurs dons, leur discipline. Et si vous n'allez pas dans leur sens, ils vous feront peur. Oh, vous êtes possédé. Oh, vous avez des gens autour de vous négatifs. Oh, vous êtes toxique, madame. Vous êtes toxique, monsieur. En fonction de tout ça, c'est comme s'ils jettent un filet pour attraper les poissons, prétextant peut-être que Jésus les regarde, car ils fuient derrière Jésus quand ils se sentent démasqués. Dieu me parle, Jésus me parle. Je suis à ses côtés. Et pour la plupart qui sont perdus, qui sont dans l'ignorance sans le vouloir, qui cherchent simplement une main tendue, bien souvent, ces personnes sont là
pourrait aider à ouvrir votre porte-monnaie. J'en ai rencontré. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas quand ils sont démasqués. Alors ils sont prêts à tout inventer. La loi universelle est dans le cœur de ceux qui ont un jour compris qu'ils sont transfigurés et qu'ils peuvent donner, partager, écouter, offrir, soutenir. Il y en a beaucoup autour de vous. Ils sont discrets, toujours avec un sourire, un clin d'œil, un geste de la main. Ils sont autour de vous. Ils n'attendent qu'un moment, souvent un petit geste de synchronicité, un ressenti, une perception, et vont vers vous pour vous offrir une information. Ils ne sont pas dans les rouages de l'usine, où chacun fait la course à inventer un tarot, un oracle, ou une divination. Ce n'est pas nouveau. Dans chaque civilisation, il y a toujours eu cette course. À qui aurait le nombre de dieux, de déesses, ou de manières d'interpréter. Tout ça a traversé le temps, bien sûr, par mage. Ou encore grand sorcier, ou devin. Ceux-là, qui restent dans cette énergie vitale, ont connu bien des souffrances, des difficultés. Ils savent la valeur de la détresse des gens. Ils savent une forme de vérité, celle qui est terre à terre et associée avec leurs facultés. Ils savent que de l'autre côté, tout sera prêt pour les accueillir. Je les côtoie encore et chaque jour je suis émerveillé par leur volonté, leur passion, leur envie de vivre. Les autres restent toujours dans les cages, dans les caves, mettant le plus d'artifices possible, des lumières ou en contraire, un peu d'ombre qui crée le mystère. Ils sont là à pâter, en mettant des collets à gauche, à droite, espérant trouver ou toucher le cœur d'une personne blessée. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou encore, quand ils sont dans le manque de l'inspiration ou qu'ils se posent des questions, ils iront furtivement voler les idées des autres. Manque d'identité, peut-être. Stupidité, probablement. Ils se condamnent certainement. Je ne suis pas là pour en juger, mais pour l'observer. Notre monde se tournera un jour devant les premières personnes que je viens de citer, ceux qui ont cette force dans leur énergie vitale, qui pour nous leur conseille
seront vraiment importants. Le principal n'est pas leur apparence. C'est qu'ils sont dénoués d'ignorance. L'ensemble de ces personnes que je côtoie encore et toujours s'associe aux énergies, s'associe à la recherche, passe par le naturel, la réflexion, la nutrition, l'activité physique, le comportement et l'analyse. Il y a encore beaucoup de gens comme ça qui ont une importance dans le développement de tous. Sachez les reconnaître. À bientôt.